La campagne électorale a commencé. Elle déferle sur le pays telle une immense vague d'enthousiasme. Dans un élan uni, le peuple propose aux candidats du Soviet suprême les meilleurs fils de notre patrie, dévoués au parti de Lénine et de Staline. Le 11 décembre, à la réunion préélectorale dans le Grand Théâtre, le pays entier écoute le discours du camarade Staline. Ça va ? Ça suffit maintenant. Camarade, j'avoue que je n'avais pas l'intention de parler. Mais notre estimé Nikita Sergeyevitch m'a amené de force à cette réunion. Fais un bon discours, m'a-t-il dit.